Eh bien, salut à tous, salut à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne de Cartman, de Twitch et de YouTube pour la suite des aventures de Jack Joyce dans Quantum Break. Acte 5. Et partie 1 de l'acte 5. On va y aller directement après un gros big up à tous mes followers. Amélie Stark, Chen Ryu. Melina, petit big up à Nicolas, aussi diffuseur de Twitch et YouTube, tous solidaires. Il y a aussi YouTube et Twitch Games. Donc, continuons cette partie que vous avez suivie. Playlist sur YouTube, Quantum Break complet. Parce que je l'avais fait il y a longtemps, mais en séparant les films du jeu. Tandis que là, non. J'ai fait vraiment chapitre par chapitre. Donc, vidéo. Let's go! Oh non, pas tout de suite. Encore un petit téléchargement. Pour R sur la caméra, on le sait bien. Siège de monarque. Voyons ce qu'il nous réserve. Voilà. Vidéo, let's go. Récapitulatif. Le temps se disloquait. Totalement désynchronisé. La ville était plongée dans le chaos. La fin du temps approchait. Et vous pensiez pouvoir y remédier? La solution se trouvait dans la tour Monarque. La contre-mesure. Chez Monarque, on l'appelait RCC. C'était la clé de la capsule temporelle. Le plan de survie de Monarque. Mais ça vous laissait de marbre. J'avais un meilleur plan. Ah. D'accord. Trouver sereine. D'accord. Maintenant. Qu'est-ce que c'est? Merde! Thank you.
hasta la vista. Bon, où est-ce qu'il y a la contre-mesure ? Ça devrait pas être dur à trouver. C'est juste le plus gros bâtiment de Riverport, après tout. Jack ? J'espère que vous m'entendez. Fiona ? C'est vous ? Oui, j'étais pas sûre d'arriver à faire marcher ce truc. Écoutez, le RCC ne va pas être facile à récupérer, mais vous pouvez y accéder par le bureau de Sirène. Un ami à moi a ouvert la salle du RCC, mais le reste de la zone est toujours bouclé. Je crois que je peux vous aider. Comme ça. Je confirme. Sirène n'est plus dans le bâtiment. Normalement, vous ne devriez pas le prendre. Bienvenue au siège international de Monarch Solutions. Cet édifice à la pointe du progrès est célèbre dans le monde entier pour son architecture unique et sa place centrale dans le paysage de Riverport. Bénéficiant d'un degré sans précédent d'automatisation, qui respecte les dernières normes de confort et de sécurité et doté d'une empreinte carbone nulle, ce bâtiment constitue un lieu de travail sûr et écologique pour des milliers d'employés de Monarch. Monsieur Hatch, vous croyez, ils ont dit que vous étiez mort. Ils se trompent sur rien des moins. Mais dans ce cas, personne ne craint rien. J'ai une petite tâche à confier. Mais vous êtes... Enfin, je suis pas sûr de devoir avoir... Vous travaillez toujours pour moi. Oui, bien sûr. Tout ce que vous voudrez, monsieur Hatch. J'espère qu'il n'aura pas une crise cardiaque quand le temps redémarrera. Oh oh. D'accord. Fusil à pompe peut-être. On va les surprendre. Comprendre ce qui se passe. Il devait être terrifié. Bon, comment j'accède au bureau de Paul ? Qu'est-ce qui se passe au juste ? Je m'attendais à un poil plus d'organisation. Monarch est passé à la vitesse supérieure. Vrai. Je me rapprochais de la contre-mesure. Paul avait la solution pour arrêter la fracture. Mais il l'avait pas compris. Découpé en mille morceaux. Il n'y avait rien à comprendre. Il pensait que le processus était irréversible. C'est pour ça qu'il s'est servi de la contre-mesure, du RCC, pour créer la capsule temporelle. Ouais, est-ce que ça va me mener vers des ennuis, c'est certain. Putain, mais c'est quoi ça ? Merde. Bon. Ok. Pas besoin, normalement.
paraît-il. Ah, un truc là. Ok. 4 sur 18. Rien d'autre. Voilà. Si je désactive le système anti-interruption, est-ce que ça ne va pas? Si le temps s'arrête à nouveau, le bâtiment risque de... Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir faire ça. On pourrait pas tout simplement vérifier avec quelqu'un? Vous voulez vraiment que je cherche votre adresse? Non, monsieur. Je vais. Vous avez intérêt. Fiona, vous pouvez m'ouvrir cette porte? Désolée, c'est pas vraiment ma spécialité. Je connais un gars qui pourrait faire ça les yeux fermés, mais il est aussi fiable qu'un... Ah, j'ai parlé trop vite, c'est bon. Attention, vous allez avoir de la compagnie à l'intérieur. C'est là que ça va barder, je le sens. Voilà. C'est en armure le gars, merde. Tiens. Ah il est parti. Merde, faut que ça se recharge. Il est en train de tout détruire ce con. Cassos, stop le temps. On s'arrête là. Cherche-moi. Trouve-moi. C'est rigolo. Attends un peu, je vais t'envoyer un truc, mon gars. Encore vivant ? Costaud. C'est bon là ? Je crois que c'est bon. Pas prendre son arme, elle est trop belle pour que je puisse en avoir. Tiens, une dernière. Encore un. Ah ah! Bon, maintenant, place aux recherches. Vous m'avez dit que Hatch et Paul s'entendaient à merveille. C'est pas ce que j'ai vu.
Ils ont eu ce qu'on appelle un léger différend. Bon, quoi d'autre? Ici, ça m'étonnerait qu'il y ait que ça. Avec tous les PC, il doit y avoir autre chose. Non, peut-être pas, mais... Celui-là, non. Là-bas... Je vois rien pour le moment. C'est tout ici. À moins qu'ils l'ont bien planqué. J'aurais pas le succès. Sinon. Bon. De toute façon, je suis pas un chasseur de succès. Je joue pour le plaisir. Tiens, là. Ça, j'avais déjà vu. Il n'y a que ça, en fait. On est en cassos, alors. C'est quoi comme mitraillette, ça? Tactique. Ouais. Bon, la mienne améliorée, ça suffit bien. Alors, open the door. Get on the floor. J'essaie d'atteindre la passerelle. La passerelle. La passerelle. Là, vous êtes au service marketing, c'est... Oui, ok, je crois que c'est bon. Hey, Jack, soyez prudent. Il se passe un truc très bizarre dans ce bâtiment. Monarque était à bout de souffle. L'empire de Paul s'effondrait de toutes parts. J'avais jamais rien vu de tel. Mais Paul, si. C'est à ça qu'il s'était préparé pendant toutes ces années. Sans grand succès, malheureusement. Y a rien. Toujours rien. Rien de rien. Je ne trouve rien. Bon. Tu l'as dit. C'est tout. D'accord. Et là... Ah ah. 7 sur 18. Il y a beaucoup de trucs alors à fouiller par là. Tiens, j'en avais failli rater un. Non? Moi, je croyais que c'était la fresque. Si, si, il me semble. Non, c'est la mitrailleuse, mais... Bon, mitraillette, tactique... non, merci. Je préfère la mienne, j'ai pris quoi alors? Bon, voyons. Il y a un truc. Il y a une machine ici. Mais... Alors si c'est le noyau de l'université d'Atterri, c'est la machine de Paul. On dirait qu'il la garde au dernier étage. Deux machines. Ça va de plus en plus mal. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'était du bureau de sirène. D'accord. Un petit labyrinthe ici.
Ok. Alors, la porte. Je passe. Tout juste. Fausse alerte. Non, vraie alerte. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle est déraillée. Vous êtes devant le bureau de Sérène. Bien. Juste une minute, celle-là est un peu compliquée. Sérène a accès à la salle du RCC et il va y avoir un type super dangereux qui surveille. Ouais. Tu m'étonnes. C'est bon. Soyez prudent, ok? On va faire mon maximum. Paul n'était déjà plus là. Mais il avait laissé sur place la seule chose dont j'avais besoin. D'accord, 9-18, j'en suis à la moitié. Quota là, ouais, d'accord, j'ai compris. Je t'emmerde, j'arrête de jouer. Je veux ce que tu as volé. Oui, bien entendu. Le RCC. Si seulement tu comprenais l'importance de cet objet, tu n'y toucherais pas, mais je sais parfaitement que tu t'en fiches. T'as raison. Je m'en fiche. Et t'es pas là pour m'arrêter. Oui. Oui, effectivement, tout va se dérouler comme ça doit se dérouler. On se reverra bientôt, Jack. Avec le Windows Phone. J'en ai assez d'écouter tes conneries, espèce de taré. J'ai eu que quelques minutes entre les interruptions. La contre-mesure était ce que Paul avait de plus précieux. Tout ce qu'il avait bâti reposait sur la machine de Will. Tout son plan en dépendait. Évidemment que j'avais hâte de la lui prendre. Paul avait vu ce qui allait arriver. Ça l'avait dévasté. Il refusait de penser qu'on pouvait influer sur le cours des choses. Et il a rejeté tous ceux qui auraient pu le convaincre du contraire. On avance. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y en a pas un de bon. Là. Il a vécu 17 années, deux fois. Il avait tout reconstitué. Mémoire. Il connaissait les tendances du marché à l'avance. Il avait tout le nécessaire pour faire fortune, alors il l'a fait. Ici, je crois que c'est tout, hein. Par en haut, moi je dois descendre, mais on va quand même regarder ici. Il y a un truc ici. Pendant des années, Paul a dirigé Monarch dans l'ombre. Ça n'a pas dû améliorer son problème de déconnexion de la réalité. Rien d'autre.
Bon, ok. Alors... D'accord. Il faut que j'entre là-dedans, mais... Mais comment? Merde. J'espère que je peux faire demi-tour, au cas où. Un peu tard, je crois. Écoute, c'est pas toi qui va m'empêcher d'accéder au RCC. T'as pas l'air assez en forme pour ça. Comme tu voudras. Évidemment, c'est un truc. Je devrais la débrancher plus tard. Et d'un... Ouais, il me reste deux. Tu l'as dit... Reste à terre et bouge pas. Va se faire foutre. D'accord. Ça bloque. But the time is broken. Yeah. À en voir son expression, j'avais plus de doute. Paul les menait en bateau. Il pensait qu'ils agissaient pour la bonne cause, pour le bien de tous. Liam Burke avait fait son choix. Liam Burke était une victime superflue. Une de plus dans le lot. La capsule tout entière reposait sur la contre-mesure. Il savait que Will essaierait de la récupérer. Ce qui explique sa mort. Et il savait que je finirais par tenter ma chance aussi. De toute évidence, il avait raison. Je peux pas revenir en arrière, c'est pas vrai. À moins que je puisse rentrer par là, peut-être. Ah là là, j'ai raté un truc... de ouf, là. Moi, c'est peut-être pas fini, il y a peut-être une solution. Ils avaient toute une réserve de particules chronon extraites de la zone zéro pour alimenter la capsule. Suffisamment pour espérer tenir jusqu'à ce qu'une solution viable soit trouvée. Donc, j'ai raté. Tant pis. Je suis devant la salle du RCC. La porte est fermée. Ça dépasse largement mon niveau d'autorisation, mais... Vu que mon ami a désactivé la sécurité tout à l'heure, je devrais pouvoir y arriver. Écoutez, j'ignore ce que vous avez prévu pour la suite, mais tout repose sur vous maintenant. Bonne chance. Merci. On va faire avec. C'était comme si j'entrais dans un sanctuaire. Où étaient gardés leurs reliques sacrées. Il y avait traces de lutte dans la salle. J'ignorais ce qui s'était passé, mais quelqu'un avait nettoyé l'endroit derrière lui. Un homme du nom de Charlie Wincott. Je crois qu'il a essayé de s'opposer. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui. Je vois. Ouais. Oui. C'est comme ça que vous traitez vos employés. Bon, ok. Will avait mis 11 ans à construire la contre-mesure. Bess était morte pour elle. Et je savais qu'elle pouvait réparer la fracture. Saloperie. Le problème, c'est que j'ignorais comment elle fonctionnait. Le seul expert que je connaissais
était mort. Mais grâce à Monarch, j'avais un moyen d'aller le consulter avant que tout ça arrive. La machine a voyagé dans le temps de l'université. Son noyau est ici. Monarch avait conçu sa propre machine, au-dessus de la salle du RCC. C'est là que je devais aller. Vous pensiez pouvoir revenir dans le temps et sauver votre frère ? Oui. Paul avait pris le noyau de la machine de l'université pour le relier à sa propre machine. Ce besoin maladif de tout contrôler. Mais ça m'avait donné une dernière chance de tout arranger. Je pouvais remonter le temps, et peut-être retrouver Will avant que Paul lui tire dessus. Et si j'arrivais à placer la contre-mesure dans les mains de Will, je pouvais peut-être tout remettre en ordre. Le noyau était en place, la machine était prête. J'avais plus qu'à déployer le couloir. Ça devrait le faire. Déploiement du couloir. Phase 1 en cours. À tout le personnel.
pas possible! Petite machine extrêmement lente. La machine était prête. Il me restait plus qu'à programmer la date. Je pouvais pas remonter plus loin que quand le noyau avait été activé pour la première fois. À l'université. Ça vous laissait peu de temps pour sauver votre frère? J'avais pas vraiment le choix. T'as intérêt à tenir tes promesses. Ok, ok. Acte 5, part 2. Après ce court petit téléchargement, veuillez nous excuser, nous reprenons nos programmes dans quelques instants. Veuillez nous excuser, nous reprenons nos programmes dans quelques... Salut les gars. Oh merde! Ah. Et massacre. Je pense pas qu'on peut faire ce jeu en furtif. Je doute. Allez! Il n'y aurait pas de plaisir. De toute façon, de faire un furtif, ça serait complètement débile. On a un intrus dans le labo. L'équipe d'extraction du noyau est morte, à vous. Comment, on avance. Couvrez le feu, mais surtout, évitez d'endommager le noyau. Bon, il était mal placé, lui. Voilà. Ça, ça en est une bonne. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Je suis arrivé juste après le début de la fracture. Trop tard pour l'empêcher de se produire. Mais pas trop tard pour sauver Will. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de le trouver à temps. Je veux fouiller. Ouais. C'était le plan. QG, les caméras de sécurité montrent les frères Jones en train de s'échapper par la salle des serveurs. Paul, Paul. C'est quoi ça? Équipe Razor 3, interception immédiate. Préparez une autre équipe d'extraction pour récupérer le noyau. Merde, Paul, Paul. C'est quoi ça? C'était nous? Début de la partie? C'est ouf, ça. Quoi qu'avec le temps qui se dérègle, bon, tout je dois aller à la bibliothèque. Bon, on va à la bibliothèque. Quoique, il me dit d'aller là-bas, mais je crois pas que je peux aller par là. Ça, c'est la machine directe. On doit faire le tour. Pas par là, visiblement. Comment aller? La question se pose. Tiens. Vous auriez pu suivre Will. Vous saviez le chemin qu'il avait pris. La trappe était fermée. Je devais emprunter le chemin le plus long pour le rejoindre. Qui est donc par là-bas, mais comment sortir d'ici déjà? Fermé, ouvert. Ça, c'est rien. Le chemin le plus long, il va jusqu'où? Là. Là. Toujours là. Hop là. Et là. Équipe Prowler, préparez le personnel d'intervention dans le parking souterrain. J'ai perdu le contact avec l'équipe Raider 3. Il se passe quelque chose. Sérieux? On devrait déjà avoir chargé le noyau dans l'hélico à l'heure qu'il est. Hatch avait raison. On aurait dû envoyer Liam Burke en premier pour s'occuper de ces enfoirés. Les ordres étaient de les capturer vivants si possible. Vivants, c'est pas dans les habitudes de Burke.
Non mais sérieux. Et voilà. Je me suis souvenu que Will et moi, on se dirigeait vers la cour quand l'interruption avait frappé. C'est là que je devais l'intercepter. Où elle est ? Où ? Quelle est cette bibliothèque ? Par là. Oh oh. D'accord. La cour. Comment j'y vais ? La cour ? Pourquoi sortir dans la cour ? Qu'est-ce que c'est que ce truc là déjà ? Vous n'avez jamais essayé d'empêcher Monarque de prendre le noyau ? Le fait qu'il l'avait volé avait conditionné mon retour dans le passé. J'avais pas trop envie de bouleverser cette logique. On se réveille sans armes. Mais je reprends la mienne quand même. Allez hop, bon. Se réveiller, se débloquer plutôt. Au moins ça c'est fait. Pire des cas, maintenant la direction par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah ah ! Une histoire d'entrer là-dedans, je pense. Allez. Merde, raté. J'ai compris comment faire, mais trop tard. Retour en arrière. Et voilà. Ouh là là, ici. Pas bon. Et boum. D'où ça tire ? Là là. Tiens.
c'est bon là? Pas vraiment. Tiens. Quand Will et moi avions fui le labo après l'expérience, j'avais eu l'impression que Monarch était aux prises avec quelqu'un d'autre. En fait, c'était moi depuis le début. Tu sais, on a perdu l'équipe Striker. C'est Joyce. Continuez à tirer. Raider 9, comment on a perdu l'équipe Striker? Combien de... Force. Éliminez-le. Employez les grands moyens s'il le faut. Ils font que ça. Tira, ça suffit. Enfin, il y en a un autre là-bas. Non. Oui. Non. Qu'est-ce donc ça? Pas mort lui? Voilà. Parce qu'on soit deux, pas vrai? Burke? Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je ne connais pas. Allons voir Wade. Et ici, il faut que je les écoute. Ils sont passés par là. Suite. Confie les bonnes missions. Sûrement parce que c'est affreux pour Talon d'Astra. Il faut le code. Ce sont les ordres de Hatch. C'est 5. Un de moins que le chiffre de la bête. Ok. C'est 6-5. Ok. Il y a tes hommes de se tenir prêts. Ok. J'ai l'impression que la où il est ce code-là? C'est bon. J'en ai pas encore fini avec toi. Ok, j'ai branché ce bijou sur le courant du campus. C'est la dernière fois qu'on demande à Wade d'apporter cette putain de batterie. Contactez-moi! Merde! Ça bloque mon pouvoir. On va casser. Casser les pieds là. Cette machine de merde. Débranche-toi. On dirait qu'il est branché ailleurs. Y'a pas de temps à perdre. Clic-clac. Oula. Merde, c'est pas bon ça. Tiens. Moi du passé ou du futur? Du passé. Joyce signera toute l'équipe Striker. Il a des complices, c'est sûr. Je pense qu'ils sont au moins 5 à travailler ensemble. Alors reste sur tes gardes. Ennemi en vue! Tu te prends pour qui?
Voilà. Bon, je dois aller à la bibliothèque. Y a pas de temps à perdre. Je dois retrouver Will. Trop tard, faut que j'arrive à la bibliothèque avant lui. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah merde. Comment je dois passer? Faut que je trouve la solution. Ouais, ouais, ouais. Ça me semble assez simple. Hop. Hop. Et... Merde. Bon, on recommence, quoi. Après, bah c'est par là. Voilà. Voilà. Et voilà. Ici transport aérien 1. On a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps. Oh. Merci. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Terminé. Reste pas là, Jack. Bien reçu. Gardez quelques hommes et attendez l'arrivée de numéro 1 Monarque. Le reste des forces doit se rendre dans la zone de collecte des chronons au Calsèche. Une fois là-bas, attendez les ordres. On va faire sauter la bibliothèque dans 5 minutes. On a perdu le contact avec l'unité de sniper. On inspecte les toits en ce moment même. Tenez-moi au courant. Toute l'unité de sniper y est passée. Il n'a pas pu faire ça tout seul. On doit trouver qui manque à l'appel. C'est peut-être l'œuvre d'un traître. Commençons par faire une liste du personnel manquant. J'ai entendu quelque chose. Fouillez la zone. Venez, pourquoi il reste vous chercher? Allez, immobilisez! Tiens bon, Will. J'arrive. Bon, je dois aller à la bibliothèque. Je dois retrouver Will avant qu'il soit trop tard. Si Joyce est dans la vie.
bibliothèque. Alors qui est-ce qu'ils ont vu? Ils sont involontaires. C'est lui. Il est déjà parti. L'entrée. L'entrée. J'ai plus beaucoup de temps. Will. C'est de la folie. On risque rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. On n'est pas obligé de... Ah. J'ai jamais voulu ça. Chose. De fait. Jack! Tu m'as sauvé. Ravi de te revoir. Hey, Will. Tiens, un cadeau. La contre-mesure. Comment? Oh, Jack. Will! Dépêche-toi! Viens, faut y aller! Monarque l'a toujours eu. Est-ce qu'elle marche? Tu es venu du futur. Pour moi, il y a encore la fracture. Pas encore. Elle marche? En théorie, oui. On doit aller à ma machine. Elle doit nous ramener d'où tu viens. Non. Le futur, non. On n'a pas le choix. Faut qu'on arrête la fracture, ici. Aujourd'hui, maintenant. Non, écoute-moi. La fracture n'était pas réparée, là d'où tu viens. Donc on ne pourra pas l'arrêter ici. Des gens vont mourir, Will. T'as pas vu les événements entre maintenant et après? Mais toi, si. Ce que tu as fait a créé une chaîne d'événements qui ne peut pas être brisée. On n'en sait rien. Et si elle pouvait être brisée, ça pourrait mettre le monde entier en péril. On n'a pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup trop en jeu, tiens. Je sais ce qui est en jeu, ok? Alors tu dois l'accepter. Tout ce que tu as fait pour arriver ici était nécessaire. Crois-moi. On ne change pas. Le passé. Le futur n'est pas... Okay.
On doit y aller. Par ici. Si ce que tu dis est vrai, alors comment j'ai pu te sauver? Je t'ai vu mourir, Will. Réfléchis, Jack. Tu m'as pas vu mourir physiquement, n'est-ce pas? Non, non, j'ai vu le toit s'effondrer sur toi. Tu as cru que j'étais mort. Oui, c'est ce qui t'a amené ici, pour t'assurer que ça resterait une illusion. Tout ça est une boucle. Si on voit le temps comme un œuf, alors... Arrête avec cette histoire d'œuf. Baisse-toi. Par ici. Je veux voir ça. Attends, attends qu'il soit parti. Ah oui. Bon, c'est que c'est dur à avaler. Mais le fait que tu aies réussi à me sauver tout en maintenant l'illusion de ma mort vient forcer la théorie que je défends. Le passé reste tout intact. Rien ne change. Et le principe de cohérence de Novikov triomphe. Oh, super. On fêtera ça plus tard si tu veux bien. Ouais. Allons sauver le monde d'abord. Bien, on va rejoindre les autres. On n'a pas le temps pour ça. Allez, chercher. C'est bon. On y va. Toujours aussi borné. Cette famille. On parlait de quoi déjà? Résumé, boucle temporelle. Je suis vivant, science. Ça va, c'est bon. Ok, par ici. C'est ce serait trop dangereux de les aider. Je sais ce qui va arriver si je fais rien. Et ça arrivera quand même, Jack. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'exception. Si tu te foires en essayant de changer, il ne peut pas l'être. Ça pourrait être fatal. Je t'en prie, Jack. Notre avenir en... Tu as dit que Monarque avait la contre-mesure depuis le début. Comment? Pourquoi? Paul s'en servait pour alimenter un genre de gramme de survie délirant. Ils ont dû l'utiliser comme une sorte de régulateur de champ de chronon localisé. J'ai toujours cru que c'était Bess Wilder qui avait la contre-mesure, à l'abri quelque part. Après tout, c'est elle qui m'a prévenu. Il m'a dit de le construire. Je sais. Tu l'as rencontrée. Est-ce qu'elle nous aide? Elle nous aidait. Ah, je vois. Allez, on n'est pas en sécurité ici. Oh merde, attention!
Écoute, je sais que je t'ai caché des choses. Mais quand j'ai commencé à travailler... Tu étais si jeune. Et après, j'ai toujours espéré que tu ne serais jamais mêlé à tout ça. Ouais. Je comprends. Viens. Allons dans le futur et arrangeons tout ça. Là. C'est fermé. T'as caché la machine ici. Tu l'as vraiment jamais utilisée toi-même? Non, j'ai pas osé, après que le type en soit sorti. C'était Paul. Il a essayé de me tuer. Merde. Elle est coincée par la rouille. Jack, tu m'aides? Encore un coup. Quand Monarch est venu démanteler la machine à l'université, Paul était coincé dedans. Il s'est échappé dans le futur. Quoi qu'il ait vu là-bas, ça l'a changé. Il a réussi à trouver ma machine là-bas. Et il s'en est servi pour retourner en 1999. Et il a fondé Monarch. Il a fui Monarch, et il est devenu ce qu'il fuyait. C'est de la folie. J'aurais jamais dû construire la machine. J'aurais dû laisser les choses comme elles étaient. Elle est toujours là. J'espère qu'elle marche. Ouais. Ok. On va aller dans le futur. Un peu après que tu es parti. Mais avant que la fracture n'arrête le temps à jamais. Je ne sais pas. J'ai un doute sur ça. Ça va être dangereux. Bien sûr, ça va être dangereux. Comme tout maintenant. J'ai vraiment envie d'essayer. Jack, quand on sortira, on arrivera un peu après le moment où tu es parti pour me sauver. C'est notre marge d'action, quand on sait que ça peut marcher. Mais avant l'arrêt complet du temps. Va falloir agir vite. Monarch était persuadé que c'était imminent. Comme si c'était des experts. Bah, c'en est. Tout ce qu'ils savent, ils me l'ont volé. Occupe-toi de ta partie et laisse-moi m'occuper de la mienne. Ok, Will. Ça me va. C'est incroyable. Pendant toutes ces années, j'ai jamais pensé que ça serait... Merde. Attends, oui, je vais... Ça, Jack.
est là, mais... Oublie-le. Tout ça est plus important que toi ou moi. Tu sais que le temps va s'arrêter pour de bon. Oui, je le sais. D'où le plan capsule temporel. Une poignée de gens désespérés assis dans un bunker quelque part à attendre l'inévitable. Pour Saint-Paul. Tu as volé le RCC, Jack. Moi, je l'ai volé. Et tout mon plan en dépend. Alors... Je veux que tu me le rendes maintenant. Je peux pas...
j'ai un surnom. Bonjour, courir, Ren. Maintenant, à nous deux. Contaminé par sa propre machine. Tiens, va voir là-bas. Je crois que là, j'ai marqué un point. Décisif contre Paul, en tout cas. Je vais libérer mon frère. Mesure au noyau. Elle est conçue pour hypersaturer le champ de Meyer-Joyce de particules chronon. La machine a voyagé dans le temps, agit comme un amplificateur. Ça va provoquer une réaction en chaîne et régénérer le champ. Ça... Qu'est-ce que je peux faire? La contre-mesure n'est pas assez chargée. Il va nous falloir un particule chronon. Un déclencheur. Mmh. C'est toi. Ah bon? La contre-mesure. Elle a réparé le temps dans le monde entier. Ce qui avait été détruit l'était toujours. Les morts ne reviendraient pas, mais c'était fini. Jack. Will. Le temps avait repris son cours. Allez. Je crois qu'on vient de sauver l'univers. Ouais. Ouais, Paul. Il est mort. Évaporé, enfin, peu importe. Will. Il se trompait sur toute la ligne. Tu crois? Will. La contre-mesure a fonctionné. Waouh. La contre-mesure a grillé. Ok. Le champ de Meyer-Joyce devrait être stable maintenant.